Allez, direction le premier vrai monde. Sachant qu'il y avait un truc de l'autre côté, hein, quand même. Partie de qualification, partie d'entraînement réduit. Vous pouvez désormais participer à une partie de qualification. Oui. Oui, vas-y. Ouais, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Okay. Ça va être ta toute première partie de qualification. Il faut que je t'explique quelques aspects du jeu. Tu vas jouer avec deux autres golfeurs. Il y aura une limite de temps pour chaque coup. Reste bien vigilant. Vous aurez 9 trous au total. Et après chaque coup, vous devrez courir jusqu'à l'endroit où s'est arrêtée votre balle. Ton objectif doit être de finir avec un score de plus 4 ou mieux. Le golf, l'idée, c'est de faire des scores le plus petit possible, voire négatif. Hein. Pas l'inverse. C'est suffisant pour avoir le droit de participer à un vrai tournoi. Il ne me reste plus qu'à te souhaiter bonne chance. Ok. Ah, il y a des sables mouvants et tout. Étrange. Il y a des moutons, il y a des cœurs sur le terrain, il y a des pièces, je crois. Attention. Ça passe. Allez, trace, trace, trace. Je suis avec Bordeaux et Todd. C'est quoi ça? Ok. On court. Des pièces. Pièces. Le petit cœur là. Cours, petit bonhomme. On récupère ça. Oh putain, je l'ai raté. Ah ouais, d'accord. Quand on court, bah, on n'a pas tout ce qu'on veut. Quoi. On n'a pas ça là. Voilà. Bon, les pièces. Ça sert toujours. C'est trop fort, je pense. Ah oui, c'est trop fort. Bien sûr que c'est trop fort. Allez. Oh non! C'est dégueulasse ce qui vient de se passer, il m'a poussé. J'ai mis 6 coups. Ah, oh, j'ai mis 6 coups, ils en ont mis 4. Bon, ils en ont mis 5. Il va falloir que je fasse mieux. Attention. Je me dis que l'idée c'est pas d'être premier au trou, mais d'être concentré. Sur le green, sur le green. Non. Normalement ils font 3 coups aussi chacun. Logiquement. Eh oui. Égalité. Pourquoi plus 2? Ah, c'est parce que c'est le classement général. Attention. En montée. Il y a du monde là. Bonjour monsieur dame, comment allez-vous? Pardon, excusez-moi, je passe, bonjour. Alors. Soit.
Non, je vais rester tranquille, je vais aller par là. Pourquoi danger? C'est une blague? Excusez-moi, je prends les pièces. On peut faire un truc. Je vais viser comme ça. Top. Je suis sur le fairway. Ok. Et c'est en montée. Petite montée. Alors, concentration. 5 coups. Mince, 5 coups. Yoshi qui trace. Oh, c'est bon, Yoshi, il a 5 coups aussi. Voilà. Méthode. Égalité encore. Attention. Eh oui, égalité. Punaise! Simple hein. C'est pas simple du tout. Bon là c'est tout droit. Attention. Tout droit, il y a un léger vent. Je vais passer par là. Je vais me mettre par là comme ça là. J'aime bien. Attention au bunker. Aïe aïe aïe. Poussez-vous! Poussez-vous! Alors. Droit. Trace! On est en montée, on est en quoi là? Il y a des courbes, il y a quand même quelques courbes. Le vent est dans ce sens là. Je vais pas tenter trop fort. Oh punaise, ils sont devant moi. Mais oui, trop fort, bien sûr, trop fort, je tape le poteau. Évidemment que trop fort. Allez, tombe. Et voilà, j'ai mis un coup de plus encore une fois. Ce serait de la triche de déranger les adversaires pendant qu'ils sont en train de viser. Attention. Il y a un bunker en plein milieu. Je l'ai vu. Je suis ici. Oh, il y a des moutons. Il y a des moutons. Hop, hop, hop. J'avais pas vu. Oh non, j'ai tapé le mouton. Désolé. Pardon, mon dieu. Et je suis dans le bunker, sinon c'était pas drôle. Hop. Joli. Demi-tour. Joli, t'es gentil. Toi. Si je tape là, c'est trop fort. Oh, trop fort. J'arrive pas à jauger la deuxième jauge justement.
Léo, on se calme. Peut-être un peu trop fort, parce qu'il y a du vent. Je suis pas si loin que ça en fait. Elle est où ma balle? Quoi, j'ai mis la balle? Oh mince, j'ai mis la balle! Oh! Ok. Je n'ai plus droit à l'erreur. Attention. Je passe en 3. Il y a le bunker qui va me gêner là. Je vais mettre par là. Hop. Ah, j'ai peur que ça ne passe pas. Qu'est-ce que c'est ça? D'accord, un obstacle. Je me suis cogné. Sur le green ? Ah, j'ai bien visé. Ouais, enfin, il y a de la montée quand même. Par là. Et pas assez. Et non. Ah, c'était pas mal. Je me mets comme ça là. Comme ça. Trop fort. Ah non, ça passe. Joli pas. 3 coups, 4 coups partout. Ok. Ah, j'égalise, cool. Trou numéro 7. Attention. Trace, Petri. Trace. Pourquoi je suis parti quoi? Elle est partie méga loin la balle. Ouais, ça me paraît pas mal. Il y a un peu de vent quand même. Pardon mouton, je passe à travers le mouton, tout le monde l'a vu. Il y a de la courbe. J'ai trop peur que ça aille trop loin là. Ah non, c'est plutôt pas mal. Nickel. J'ai fait en 4 coups. Ils font combien eux? 4 coups et 4 coups aussi. Génial, maintenant il pleut, il y a beaucoup de vent. Attention. Il faut aller tout droit. Très fort. Joli coup. Ok, j'ai gêné aussi. La balle est ici. Tout droit. Légèrement en courbe. Eh oui, le danger, oui, bien sûr. Tu as 84 mètres encore. C'est beaucoup, hein. Oh, je suis tout prêt.
me rate. Ça va. Ça va. Ouf. J'ai une question. Comment Yoshi il arrive à voir la balle quand il tape juste son énorme pif? Ah, il a des grands yeux au-dessus, quand même. Ouais, non, c'est vrai que maintenant que tu le dis. C'est perturbant. C'est perturbant, bordel. Ah! Bonjour, Alga. Dernier trou. Je n'ai pas le droit de faire une erreur. J'y joue tranquillement. Pas de prise de risque. Oh, punaise, il y a un truc en plein milieu, là. On prend pas la deuxième jauge, bordel. Cours. Non. Saloperie. Comment ça, batterie faible? C'est pas le moment, là. Heureusement que j'ai une manette en charge. Oh non, je vais tomber dans l'eau, je vais être obligé de viser à côté. Oh, je vise par là. Il y a l'arbre en plein milieu. Hein. Et oui, c'est l'arbre. Non, ça va passer l'arbre. Sérieux. Toi. Où est ma balle? Excusez-moi, merci. Bon, bah, on va taper comme ça. Je me suis complètement planté sur ce trou, du coup j'ai raté ce qu'il fallait faire. J'espère que mes adversaires se planteront autant que moi. Sinon, ça va être compliqué. Ah, ça peut le faire. Ça peut le faire. Ouh. Je suis en plus 4 là. On voit la balle. Alors, légèrement en pente. Avec un petit vent là. Oh non, j'ai pas tapé assez fort, bordel. Bon, en espérant que les autres se fassent au pire que moi. Le deuxième jauge, c'est l'effet de la balle. Ouais, mais j'arrive pas à l'arrêter en fait. J'ai l'impression qu'elle va juste là où elle a envie. Six coups pour Yoshi, c'est bon. Maintenant, il faut que Todd fasse six coups aussi. Mince. Ah, je suis embêté. Eh oui, bah oui, j'ai perdu. Il faudrait que je fasse maximum plus 4. Ça va la foire au niveau là? Je vais augmenter ça. Tu es libre de recommencer jusqu'à ce que tu réussisses. Si tu as toujours du mal, tu peux aussi te rendre sur le practice. Ah, punaise. Eh bien, on y retourne. Est-ce que ça va être les mêmes? C'est ça le truc. Est-ce que ça va être les mêmes? Les mêmes. Attention. Ce sont les mêmes. Alors, ne pas viser les moutons comme tout à l'heure. Ouais, j'ai pas réussi à l'arrêter encore une fois. Ouais, mais Todd, il est trop fort. Je
s'arrête là. Normalement, ça devrait être intéressant. Et les jets, trop fort quand même, trop fort. Bon. Pas assez fort. Ah, ça manque une. 5 coups. Oh, 5 coups. Allez, Yuffie, rate-toi. Oh. Ils ont fait 5 aussi. D'accord. Tout droit, à fond tout droit. Sur le green. Et je suis sur le green, parfait. Là j'ai pas le droit de me planter. Voilà, en deux. Nickel. Oh là, c'est un peu loin les deux là. Okay. Résultat, 2 coups pour moi, 3 pour eux. Attention. On va y aller tranquille. Je suis dans le bunker, j'en ai bien peur là. Non, ça va. Fairway. Qu'est-ce que je fais? Soit je. Non et non, je vais devoir viser là-bas. Allez, un petit coup de balle. Ça peut le faire. À 11 mètres. Et encore une fois, en pente. Alors, on va viser comme ça. Normalement, ça devrait pas être trop fort. C'est plutôt pas mal. Voilà. Coup pour Yoshi, 5e coup pour Todd. Ok. J'ai tout petit poil d'avance sur les IA. Attention. Donc là, on va viser tout droit. Passer juste à côté du bunker. Pas trop que je me plante.
55 mètres. J'ai pas envie de taper trop fort. Sur le green ou pas? Oui, c'est bon. Et ça passe. 4 coups. Et 4 coups aussi pour Todd. Ok. Alors, on est en... Alors, je me fais pas voir comme tout à l'heure, il y a du bunker. Le vent va me piéger. Donc on va partir par là. Et on tape. On verra bien ce que ça donne. Ah, je suis là. Ok, alors maintenant, est-ce que ça... 140 mètres, 145. Oula. Mon mic fait des bruits bizarres quand même. Oh, il y a le sapin qui va... Oh quoi, non, je passe à travers le sapin, tiens. Et non, le sapin m'a bien gêné, les obstacles existent. Ah, j'aurais dû me souvenir des moutons. Mince, ils peuvent me rattraper sur ça. Todd est déjà à 5. Todd passe à 6, d'accord. Yoshi à 5. Trou numéro 6. Attention. Trou droit. Attention au bunker. Avec un petit vent. Je suis devant eux, je crois. Sur le green. Ah, je suis sur le green en plus. Parfait. Ah, mais je suis beaucoup trop loin du green, comme tout à l'heure. Voilà. 3 coups. Je pense qu'on le fait tous en 3 là. Ah, peut-être pas Yoshi. 7 coups pour Todd, 7 coups pour Yoshi. Je reprends un peu d'avance du coup. Bah oui. Attention. Non, il faut rester par là. C'est vraiment le mieux. C'est juste pour les embêter. Alors, si je vais là, ça me paraît pas mal. Là. J'évite le bunker en plus. Donc, c'est bien, c'est plutôt bien.
Et là, on va viser légèrement par là. Je sais pas si c'est bien ou pas. Oui. Ah oui, très bien même. Nickel. 4. Et 4 pour tout le monde. Ok. Au numéro 8. Attention. Du vent. Oui, je sais pas trop. Vous êtes très fort. Un bunker en plein milieu. Ah, c'est risqué. Hein. Je vais me mettre là. Aïe aïe aïe. Punaise. Yoshi a pris de l'avance. Je suis à mon troisième coup. Hein. Le green à 6 mètres. Allez, vas-y, tape. Encore, 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 encore. Oh non. Là, je pense pas que je sois bien. Ouais, il me rattrape sur ce coup-là. 4 coups pareil pour Todd. Là, j'ai pas été bon et du coup, ça change le classement. Et... oh! Pas tant que ça. Dernier trou. Attention! Comme tout à l'heure, évitez les bunkers. Alors, dans le roug. Et là, le problème, c'est que je vais me planter. Donc, je n'ai pas le choix de faire ça. En espérant que ça passe. Non, ce que ça fait quand la balle tombe dans l'eau. Ah, on peut viser là. On peut avoir un truc intéressant là. Sur le green ou pas? Non. Alors, je vais taper légèrement de ce côté-là. Trop fort, beaucoup trop fort. Et là. Oh punaise. 7 coups. 7 coups. 7 coups. Bah, Yoshi va le mettre en 5. Ah non. Bon bah en 6. D'où il fait ça, Todd? Pardon. On est à égalité là du coup. Et oui, plus 4 pour tout le monde. Plus 4 pour tout le monde, mais je me suis tellement planté. Bon, ça va. C'est vraiment la limite de ce qu'il fallait faire. Hein.
Alors, 3 points à placer. Tu as réussi dans le délai en plus. Une excellente nouvelle, l'Open des Rascot aura lieu dès demain. Et comme tu as réussi ta partie de qualification, tu peux t'y inscrire. C'est un tournoi qui se tient sur 2 jours. Le premier jour, il y a un match éliminatoire. Ceux qui sont encore en lice le deuxième jour pourront peut-être obtenir un badge Chrome s'ils se classent dans les 3 premiers. D'accord. Le gagnant, ce sera moi. Donnez-moi le trophée tout de suite, ça fera gagner du temps à tout le monde. Je ne frappe pas aussi fort que Bill, mais ma stratégie est imbattable, c'est moi qui gagnerai. Bel aplomb, vous deux, mais c'est pas parce que je suis un être immatériel que je vais vous laisser m'éclipser. Je te souhaite bonne chance, Rookie. Surtout que t'as aucune chance contre nous sans te vanter, on est les 3 prétendants à la victoire. Point barre. J'espère que ça sera le premier éliminé. Bill aurait pu être un peu plus diplomate, mais il n'a pas tort au fond. Ça va. Ce serait cruel de lui donner de faux espoirs, on le bat en distance, en puissance et en technique. Un jour, la situation s'inversera peut-être, mais pour le moment. C'est pas pour rien qu'on organise des tournois plutôt que de simplement offrir les trophées aux favoris, les jeunes. Laissez à chacun sa chance. Vous n'êtes pas à l'abri d'une surprise demain. Et puis, qui dit que vous ferez partie des favoris? Il paraît que parmi les participants, il y aura des golfeurs confirmés et même des pros. Quoi, mais ce serait pas juste. Ce serait enrichissant de voir des champions en action. On ne pourra jamais battre des champions. Alors on tremble, je vous rassure, avec les handicaps, personne ne sera désavantagé. Mais ça m'est égal que les autres soient désavantagés, je veux juste pour gagner. Alors je sais ce que c'est, bien sûr, mais comment est-ce que ça fonctionne, ça, encore? Ça affecte le score final des participants, c'est ça? Pas vraiment, ici c'est un peu différent. Plus votre niveau est élevé, moins vous pouvez avoir de clubs, un système juste. J'ai besoin que d'un seul club, moi, mais ça c'est un truc que les joueurs normaux, qui sont nuls au drive, peuvent pas comprendre. Ça mettrait à mal toutes mes belles stratégies. Je ne la trouve pas fantastique, cette règle. Vous n'êtes pas encore concerné par le handicap de toute façon, souciez-vous plutôt d'être fin prêt pour demain. Votre score en match éliminatoire comptera aussi pour la finale, alors vous avez intérêt à faire de votre mieux dès la première manche. Je vais me préparer à m'entraîner à muscler mes frappes. Je vais bien me reposer grâce à celui qui osera me déranger. Moi je suis déjà prêt. Entre toi et moi, gamin, je pense que tu as toutes tes chances, ce sera dur, mais je crois en toi. Très bien. Il faudrait donc se reposer. Mais j'ai des pièces. Il n'y a pas du stuff à acheter. Et qui dit badge de Chrome dit accès à un truc que sur lequel j'ai buté tout à l'heure. Oui, je vais acheter. En plus du driver, un choix de club bien équilibré avec notamment des hybrides et des wedges. Drive standard. On va laisser ça comme ça. Bon. On vient direction l'hôtel, ou je sais pas ce que c'est, l'auberge. Ah oui, c'est là où il y avait un truc. Vers Vallon les Flots. Vallon les Flots. C'est quoi Vallon les Flots? Bonjour Gordo. C'est bien passé, oui. Bonne nuit.
heures. On peut espionner les gens. Et enfin, boue. Debout là-dedans, c'est ce matin que démarre le grand tournoi, tu ne devrais tout de même pas arriver en retard. Et c'est Bou qui m'a réveillé, je crois. Les autres sont déjà partis pour le grand tournoi, d'ailleurs je vais pas tarder à y aller. Ok. Tu devras prendre le départ dans 30 minutes. En attendant, tu peux peaufiner ton jeu sur le practice. Présente-toi à l'entrée du parcours principal 5 minutes avant ton heure de départ. Rassure-toi, je surveillerai le temps pour toi et je te préviendrai. Il faut aller directement... Ouais, on peut y aller directement. Bonjour, alors, ça c'est lui. Bonjour, ça va, bien dormi, oui. Tant mieux, tu devras obtenir un score de plus 8 ou mieux pour passer les éliminatoires, j'espère qu'en pleine forme. C'est sympa, plus 8 quand même. Salut, j'espère que c'est la grande forme pour le grand jour. Tu as du temps pour t'entraîner, sauf si tu veux tout de suite au tournoi. On file le portail pour rester au parcours. Allez, c'est parti. Quelle belle frappe de Koopa avec un tel niveau de compétition, je sens qu'il va y avoir de très bons scores aujourd'hui. Je cache le Toad commentateur. Ah, il y a des Goombas volants. Ah, il y a des cas. Magnifique birdie pour Donkey Kong, quel beau toucher venant de ce grand gaillard. Ça va être au tour du groupe suivant de prendre le départ. Messieurs, dames, prenez position sur l'aire de départ. Allez, à moi. Attention. C'est le parcours avec les moutons. Ah, il joue trop bien. J'aime beaucoup son mouvement. Non, les pièces. Je veux les pièces. Pardon. Deux doigts d'être sur le green. Ah, ça peut peut-être le faire. Ça passe, ça passe, ça passe, ça passe, ça passe. 5 coups. 5 coups. Toad est en 5 coups et Bou aussi, ça me rassure. Oh, petit Bou. Bulldozer est en... Ah mais il est déjà... au trou 9, il est en moins 1 Bulldozer. Oh, il y a qu'un mec. Il n'y a pas Ratroupa. Ninji, Yoshiro, Zeka, Larry, Koopa, Frère Marteau, Frère Sumo, Goomba. C'est quoi tous ces personnages là? Ils ont sorti tous les personnages?
va être... La manette elle fera pas la plus. Oh punaise à côté. Joli pas. Oh bouh. Je voulais que tu sois qualifié moi. Continuez par là. Ouais. Non, le bunker. Oh punaise, j'ai eu peur. Ah, ça peut le faire. Ça peut peut-être le faire. Et je récupère les pièces au passage, mais que demande le peuple? Peut-être monter un peu plus la caméra, vous voyez ce qui est écrit derrière. Attendez. Je vais monter la cam. Je vais le mettre par là. Et ça, je sais pas où le mettre ça. Hein. Je vais le mettre là. C'est l'accès au menu. C'est pas gênant. Voilà. Alors, je suis où? Ici. Trop fort. Eh oui. C'est dommage ça. Si. Allez, bou. Tu peux le faire. Et Todd va être en 6 coups aussi. Septième. Faut que je fasse attention là. Attention. Trop fort. Eh oui, c'est bon. Oh, il pique les pièces du maillot. Alors, je vais taper comme ça. Encore une fois, ça va être trop fort. Ouais. Faut que j'arrive à jauger mieux quand je suis en face du trou. Voilà, ça c'est bon. Joli pas. Allez, je remonte, quatrième. Un bulldozer, il est devant. Hein. Attention. C'est en pente, vous
c'est fort. Il va falloir des clubs, je pense, pour taper mieux. Taper plus fort aussi. Ah, il y a le sapin comme tout à l'heure. Alors, je suis ici, il y a de la pente. Il va falloir taper un peu fort. Oh, ça va, c'est à côté. 4 coups. Trou numéro 6. Attention. Il y a le bunker en plein milieu. Mais il y a une vitesse de vent qui devrait m'avantager. Oh là là, j'ai fait une bêtise. Ça passe. Mais ça passe. J'ai visé trop fort encore une fois. Ah, mais à chaque fois sur ce parcours. Et oui, bien sûr, je vise trop fort. Beaucoup trop fort. Je suis à 30 mètres sur le green, mais à 30 mètres. Et en pente. Alors, on va se mettre par là. Et oui, dans la pente, mais de l'autre côté. Yes! Ouf, ça va. Et je repasse devant Bou. Attention! C'est pas grand chose, ça va sur les effets, je suis content. Ensuite. Ça me dit que je peux atterrir là-bas, ok. Allez, go. Fairway, pardon. Je suis en pente. Ça, c'est trop fort, non? Ah, non, un petit plus sur la gauche et c'était pas mal. Ok. Reviens égalité, hein, toi, Bou et moi. Au numéro 8. Comment ils font pour sauter avec la puissance? Droit. Ouais.
là, on est en montée. Et ça, peut-être que ça peut être intéressant. Ah oui. Voilà. Joli pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Bouille visite. Ah non, il cherchait sa balle. Il a mis ? Oh punaise, bravo. Ah mais par contre il retombe un peu derrière quand même. Attention. Dernier trou. Alors, oui, on va viser par là, c'est très bien. Je vois pas grand chose. Hein. Normalement, ça devrait être bon sur le green, j'espère. Je pense que c'est trop fort. Green à 1 mètre. Oh punaise. J'ai tapé le mât. Oh les boules, j'ai tapé le mât. Oh non. J'ai vous. J'ai mis 6 coups. J'ai mis 6 coups. Mmh. 7 coups pour Todd. Aïe aïe aïe, ça pique. Bravo Bou pour la remontada. Cinquième place. Est-ce que ça va suffire ou pas? Là, ils me disent d'aller me reposer directement. Mais ça, ils me disent même pas si je suis qualifié ou pas, quoi. Avec succès. Bon, j'ai passé la file. Ok, d'accord. J'ai passé l'étape. C'est pas mal. Maintenant, il va falloir confirmer. Ça, c'est autre chose, quoi.
Du coup, qui c'est qui est qualifié de mes camarades? Suspense. Rendez-vous au parcours principal. Non, je pensais que c'était elle qui était éliminée, mais en fait non. Peut-être qu'elle va être en spectatrice, je sais pas. Allez, go. Non, fallait passer par l'intérieur. Qu'est-ce que je fais, moi? Oh, bonjour. Je n'ai pas réussi à me qualifier, alors autant profiter du spectacle maintenant que je suis là. Et je suis bien content que le gros orage annoncé au nord-ouest nous épargne. Je croyais qu'il n'allait pas nous rater hier. Ah, il a failli y avoir de l'orage. Bonjour. Tu vas gagner dans tes rêves, puisque dans la réalité, je vais tous vous battre. Comme ça, on s'est tous qualifiés. Ah. Tout le monde est présent, oui. C'est la finale! Il a parlé d'orage, on va se bouffer l'orage sur la finale, quoi. Il y a un peu de vent. Attention! C'est très pentu. Ce bruit, c'est bulldozer qui a foncé dans quelqu'un, ça non? Attention à l'arbre tout droit. Allez, faut que ça passe. Je sais pas si je suis dans le green ou pas, ça a l'air d'être bien placé. Green à 21 mètres. Il y a moins de pente. On va le mettre par là. Trop fort, mais pourquoi je fais ça trop fort? Et oui, trop fort. Non. Allez, je vais me mettre par là. Ah, c'est pas passé. Cinq roues, c'est pas passé, dommage. Je pouvais l'avoir. Attention. On peut faire combien pour gagner la finale? Ça paraît le premier. Pas attention à ça. Ah ouais, il vise super loin. Il est bon le bulldozer. Il est bon, hein. Alors, pas trop fort. Genre comme ça. Alors, peut-être un petit peu plus fort du coup. Voilà, je suis à 4. Bulldozer, il va passer à 4 aussi. 5 pour Yoshi.
comment il fait quoi. Je suis à plus 4 boules, il est à plus 2. Je suis 3ème avec plus 4. C'est quoi cette tempête? Oh là, un trou que je connais pas. Soit je fais ça. Soit je... Oh non, 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 non. On va passer comme ça. Il y a du vent comment? Comme ça? Ok, on va passer là. Ah, j'aurais dû mettre un effet. Dans la tête. Où est ma balle? Qu'est-ce que je fais? Moi je randonne. Mais comment il a fait ça lui? Ah oui d'accord, j'ai encore pas mal de distance avec le trou quand même. Hein. Est-ce que je suis en plein milieu des moutons ou pas? Non, ça va. Je tente. Hein. Non, ça passera pas. Punaise. Tant pis. Green à 0 mètre. Je suis vraiment à la frontière entre le green et le rouge. Il y a 3 coups. Je vais pas trop m'avancer. Parce que il y avait le machin. Voilà, bon ça va. J'ai eu bien fait. J'ai tapé le marbre. Voilà, 5 coups, c'est pas mal. Bulldozer est en 6. Ah, ça change pour Bulldozer. Il passe de moins 1 à 0 quand même. Hein. Et moi je suis à plus 4. Au secours. Attention. C'est en descente. Je vais taper par là. Il y a un peu de vent. Vous faites peur avec vos effets de en course là, les personnages. Alors, on est en pente, hein. Mais il y a du vent. Ouh, trop fort. Pas passé à grand chose. Pardon. Green à 3 mètres. Ah, c'est pas mal ça, green à 3 mètres. Pas que je tape trop fort. Genre comme ça. Ça suffira pas. Ah! J'ai eu bien fait en fait. Ok, 4 coups. 4 coups. Yoshi est à son 5ème. Il en faudra un 6ème pour Yoshi. Bulldozer qui a des pop comme ça gratuitement. Pauvre Yoshi, ça te coupe. Pauvre petit Yoshi. Il y a Bou, il est devant, il est juste devant. Hein. Ça se joue à rien avec Bou. Attention. Il voit, vent légèrement de côté, sur le nord-ouest. Je sais pas, ça a l'air... Ça a l'air proche quand même, hein, du coup. On va tenter comme ça, sans effet. Ça passe. Les deux autres qui partent en trombe. Sur le green, mais un petit peu loin du drapeau par rapport aux autres. Qu'est-ce qu'il fait Yoshi? Yoshi s'est raté. Allez. C'est en pente, hein.
c'est en pente. Allez, on y croit. J'aurais dû taper plus sur la gauche encore. Ok. Joli ça. Ok, ok. Attention. Là, c'est hyper loin par contre. C'est hyper loin, c'est tout droit. Il y a des collines de ci, de là. Il y a du vent sur la gauche. Enfin, du vent direct sur la gauche. Oh là, et j'ai frôlé le bunker là. Et doucement, monsieur. Il y a un bunker là. Je vais me taper un petit problème. Et oui, j'ai une question. Ne m'assomme pas. Vas-y, passe. Voilà. Ah, ça peut le faire. Sur le green. Ça peut passer là. Ça a l'air d'être plat. Je mets volontairement ça. Non ! Sur le côté ! Ah, j'aime pas quand ça fait ça. Dommage ! C'est le bogey ! Le bogey, bogey ! Yoshi, quand même ! Oh ! S'il y était, hein ! Bah oui, bah oui. T'avais un coup gratuit, bon, c'est pas grave. Attention. Ok. On peut être sur le green directement. Faut bien viser. Il y a un léger vent. J'ai tapé trop fort encore une fois, c'est ça. Eh ouais, ouais, à la frontière, j'ai tapé trop fort. Punaise. On est sur un faux plat. Ah, j'adore les faux plats, surtout quand je suis en vélo. C'est bon, ça passe. Ça passe en 3. Attention. C'est l'avant-dernier trou, je crois. On va taper un peu plus par là. Il y a du vent. Alors, on peut être dans la zone, encore une fois. Donc, comme ça. Et là, on prie. Prions. Taper trop fort. C'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Voilà. Je pense pas que comme ça en compétition ça passe, mais en même temps, pour la... ça fait quoi? Ça fait 2 heures que j'ai commencé le jeu. 2h30, 2 heures. On a encore de quoi s'améliorer. Allez, je passe deuxième. Mais deuxième avec plus 5 par rapport à Bulldozer qui a plus 2 quand même. C'est... Il reste un trou.
Ça va être chaud. Oui, je sais, batterie faible. Je suis au courant. Je pense qu'après ça, il va falloir que je change de manette. Attention. Ah, il est loin le truc. Il est loin, loin, loin. Allez. Je m'attendais à un truc plus à la Mario Tennis quand même, où on a plus de choses avec les mouvements au Joy-Con. Là du coup, on a la possibilité de jouer à la manette, comme dans Mario Tennis bien entendu. Mais il n'y a pas forcément la simulation de faire le mouvement comme dans Mario Tennis. Très dommage. Peut-être plus tard, je ne vois pas l'intérêt dans Mario Tennis directement. Ou alors ils ont pas voulu que les gens se fracassent le dos. Non, je suis dans l'eau. Oh, oh là là, j'ai failli frôler l'eau. Je peux tomber dans l'eau. Ah oui. C'est pas une chose à faire. Faut pas tomber dans l'eau. Bon, alors on va essayer de faire un truc. Je sais pas si ça va passer en vrai. Elle est dans l'eau. Punaise. J'ai perdu un coup juste parce que j'ai voulu voir si on pouvait aller dans l'eau. C'est dégueulasse. Ah non, je m'en prends qu'à moi-même. Et là, je frôle le truc pour rattraper mon erreur. On ne rattrape pas du tout. Voilà, 7 coups. 7 coups. 7 coups pour Yoshiro, 6 pour Bulldozer. Ah, j'aurais pu égaliser Bulldozer. Du coup, je suis 3ème. Et je suis dans le truc. Magnifique. C'est magnifique, je prends une capture. Ah oui, je suis dans le podium. Parfait. Parfait, magnifique. Et Nintendo, vous savez scripter vos jeux. Ah là là. Magnifique. Vous passez du badge acier au badge chrome, vous gagnez 1000 pièces. Et plus de sprint, cool. On augmente la précision, on augmente la vitesse. Il va falloir que j'augmente l'endurance à un moment donné quand même. Rendez-vous à Vallon-les-Fleuves. Ah mais ils sont pas là. Mais je voulais aller les saluer. Pourquoi j'ai encore mon... J'ai pas le temps de me reposer que déjà je repars. Bonjour, alors tu es prêt? Ça doit être motivant d'avoir accès à un nouveau parcours, non? Eh oui, maintenant que tu as le badge Chrome, tu peux aller jouer à Vallon-les-Fleuves. Regarde donc sur ta montre connectée. Vas-y, consulte donc ta montre si tu ne l'as pas déjà fait. Consulte-la! En tout cas, même quand tu seras pro, tu seras toujours le bienvenu si tu veux te reposer ici. Tu es chez toi, Aerascot, ne l'oublie pas. Ah, je déménage. D'accord. Voix Vallon-les-Fleuves. C'est par là. Alors, petit coup sur la montre. Je peux pas bouger sur la carte. Ah, d'accord. Vallon-les-Fleuves, c'est en bas. C'est juste au-dessus, je suppose. D'accord. Ah, je comprends comment c'est positionné. D'accord, ok. Vallon-les-Fleuves. Désert. Il y a 5 mondes en fait. Ok. Je suis pas passé à la boutique. Peut-être qu'il y a des nouvelles tenues. Et là je suis dessus quoi. Sérieux. On va passer à la boutique. Voir s'il y a des choses à acheter. Il y a des pièces. Autant en profiter.
Bonjour. Pour l'instant, je m'occupe pas de mes trucs. Ok, il n'y a rien à acheter d'intéressant. Mais est-ce que si j'achète un truc comme ça, est-ce que je peux voir si il y a la différence ou pas? Ouais, j'achète tout, allez. Voilà. Ça veut pas dire qu'ils sont équipés, j'espère pas. Non, ils sont pas équipés. Ça va. Pour l'instant, j'ai du mal à gérer ces histoires de clubs. Je comprends pas trop lequel est mieux par rapport auquel. Je verrai plus tard. Rendez-vous à Vallon-les-Flots. Allez, je me mets un marqueur. Donc YouTube,